Notre invité du jour sur Azure TV. Nous allons parler de poésie avec Jean-Luc Gag. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes conseiller municipal à Nice, délégué notamment à la littérature. Et vous êtes sur notre plateau pour nous parler de l'opération Printemps des Poètes, qui est une opération nationale, mais qui est déclinée évidemment localement. Avec une très riche programmation hein, sur la, la ville de Nice. Euh, le thème cette année choisi c'est Afrique, avec un S, c'est important. Euh, et on va parler un petit peu de, de toutes ces opérations, toutes ces actions euh, que vous allez mener. Jusqu'au 19 mars, parce que le printemps des poètes a déjà commencé. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler la philosophie, on va dire, de cette manifestation, qui est vraiment une manifestation de démocratisation de la culture et de la poésie Oui, la philosophie, c'est très simple c'est euh, sur un événement de dimension nationale de mettre en évidence, de mettre en valeur, de mettre en lumière la poésie, en l'occurrence la poésie de langue française, bien évidemment, et en l'occurrence, même avec le thème qui est Afrique euh, cette année, nous avons la langue francophone qui est, euh, qui est à l'honneur. Donc, sur tout le pays, sont mis à l'honneur les poètes euh, d'aujourd'hui et d'autrefois, euh, mais aussi ceux qui font la poésie sous des formes les plus diverses. Et c'est bien ce que nous allons faire, ce que nous faisons cette année dans le cadre du Printemps des Poètes à Nice. Alors ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'on dépoussière si on en avait besoin, l'image de la poésie aussi, euh, parce que quand on est amateur de poésie, on sait que c'est quelque chose de très actuel, euh, avec une forme qui se renouvelle, mmh. avec de l'innovation, mmh. mais c'est un petit peu aussi l'objectif de la manifestation, de justement de montrer cette facette-là, euh, mmh. avec une ouverture aux jeunes très importante cette année, mmh. euh, avec notamment le slam, qui est, j'allais dire, la, la forme la plus récente euh, de, oui. de poésie, la plus moderne. Oui. En fait, ce que nous avons voulu, c'est prolonger l'expérience de l'été dernier. L'été dernier, nous avons accueilli des ateliers de découverte de slam sur la Coulée Verte, sur la promenade du Paillon. Et nous nous sommes dit cette année que dans le cadre de nos bibliothèques, il serait pertinent de continuer à amener les jeunes vers cette forme moderne de poésie, euh, c'est-à-dire vers la langue française finalement, vers les mots. Et nous avons pensé que le slam était un des bons moyens pour, pour le faire. Alors euh, justement, euh, quand on, on, on parle de ces, ces modes d'expression euh, euh, qui sont euh, évidemment... Euh, Transparent dans la, dans, dans, la, dans la poésie, enfin en tout cas qui transparaissent dans la, mm -hmm. dans la poésie, euh, on, on, on est aussi sur une façon très actuelle de, de, de vivre le monde, de vivre les émotions aussi, parce oui. que c'est ça l'art la, de la poésie. La poésie étymologiquement, c'est euh, le poète, c'est celui qui crée, celui qui fait, celui qui fabrique avec son esprit. Et donc par définition, aujourd'hui, donner la place, donner la parole à la poésie, c'est euh, laisser la place à l'esprit et en l'occurrence à la création, à l'inventivité, et puis aussi au regard. Sur le monde d'aujourd'hui. Et ce qui me paraît intéressant, notamment dans, le, dans, la, dans, le, dans les poètes d'aujourd'hui, c'est ce regard qui porte sur notre monde. Alors, on, on va donner quelques, quelques dates, évidemment, euh, pas toutes, parce qu'il y, sure. y a quand même beaucoup de manifestations, il y en a plus d'une dizaine, hein, je crois. Bien euh, plus, oui. ben, Bien En plus. tout cas, dans les lieux euh, mairie, et puis euh, ensuite, il y a des compagnies qui viennent aussi se greffer. Oui. Euh, en fait, euh, on, a, on euh, a plusieurs types d'événements ouais, et dans ça. plusieurs types de lieux. On a en gros trois lieux qui vont accueillir le Printemps des poètes c'est les. 13 bibliothèques municipales mmh. évidemment, c'est le CUM et c'est ce la maison des associations de Garibaldi. Ouais. Et évidemment, dans ces lieux-là, vont se dérouler des ateliers pour adultes et pour enfants, vont se dérouler des spectacles, vont se dérouler des performances, vont se dérouler des découvertes du slam par exemple, et des spectacles aussi, donc sous toutes les formes, dans tous les lieux. C'est bien un peu l'objectif de cet événement. Alors pêle-mêle, j'ai fait une petite sélection, euh, bon, très objective, mais euh, par exemple le 14 mars, Camus, mer et soleil, euh, alors ça vraiment, euh, ça se... Ça, ça, ça s'annonce vraiment passionnant, parce qu'évidemment, oui. euh, Camus, euh, c'est un, un, un écrivain, j'allais dire transversal, hein, aussi bien poète que romancier, oui. il, il est universel, il était oui. citoyen, euh, engagé euh, aussi. Absolument. Et vraiment, c'est toujours un plaisir que de redécouvrir euh, euh, son œuvre, sa perception. Oui, c'est une des deux conférences qu'accueille le CUME. Nous avons reçu samedi euh, Tahar Benjeloun. Et nous recevrons euh, donc euh, Madame Proutot, qui est maître de conférence et qui va donc évoquer euh, Camus, euh, Mer et Soleil. Euh, effectivement, il me semble fondamental aussi d'avoir toujours des auteurs de référence. Et évidemment, Tahar Benjeloun comme Camus en sont. Et sur un thème comme l'Afrique, il paraissait effectivement. Euh, totalement pertinent et justifié de d'évoquer ces auteurs là alors l'idée c'est aussi d'associer les compagnies alors vous l'avez dit les, les bibliothèques oui. évidemment mais aussi les, les compagnies de théâtre oui. les artistes oui. locaux on retrouve beaucoup de, de ces gens là hein, dans, oui. dans la programmation on en retrouve on en retrouve beaucoup notamment parce que la poésie est un art vivant. Et en ce sens, inviter la compagnie BAL, passer un partenariat avec la, comp la compagnie Une Petite Voix m'a dit, et, et le festival Les Journées Poète Poète, Alors on va y revenir, euh, revenir. Euh, c'est indispensable à mon sens de faire vivre les mots, et quoi de mieux que des comédiens pour le faire Alors, vous l'avez dit, euh, les Journées Poète Poètes. Alors, c'est euh, un festival de la poésie dans le festival en fait, ça, hein, euh, puisque ça, ça se passe du 12 au 2 mars, donc ça, oui. au 12 mars, donc ça oui. a commencé euh, avec le, le même thème, hein, celui de celui de l'Afrique. Oui. Euh, c'est quoi ça, euh, Poète Poètes Parce que c'est pas la première euh, première année. Non, hein. non, ça c'est la c'est la dixième édition, je crois, ou 11e édition du festival Poète Poètes. Voilà. C'est un festival qui existe et qui est euh, vivant au sens où euh, les comédiens, les poètes s'expriment, euh, itinérants dans les lieux, euh, sont véritablement des, des, des artistes qui viennent faire vivre les mots. Et euh, une petite voix m'a dit, donc Sabine Venaruzzo, qui organise cet événement-là depuis plusieurs années, qui en est la fondatrice, a accepté de, de, de nous rejoindre dans le cadre du Printemps des Poètes, depuis de nombreuses années aussi, pour... Euh, Enrichir la programmation, avec euh, notamment donc dans euh, ce festival poète-poète Marc Alexandre au j'espère que je, je prononce bien son nom, oui. dit Capitaine Alexandre oui. euh, qui est un, euh, voilà qui est exactement, qui est un, un quand même. Un, un Auteur euh, contemporain oui. euh, et, et un artiste à part entière qu'on peut oui. euh, rencontrer. Il sera par exemple à la Gaude euh, vendredi pour la, la clôture oui. euh, du festival Poète Poète. On peut le rencontrer aussi à la BMVR, euh, donc Louis Nucera. Ce sera le samedi euh, à 15h à l'auditorium, samedi 11 mars, avec l'auditorium oui. de la bibliothèque Louis Nucera. Et puis le dimanche 12 mars euh, au, au monastère de Saorge. Alors là, c'est justement slam, poésie, chant et musique. Oui. Ce sera une, une rencontre, mais aussi un oui. échange avec oui. euh, en les fait, spectateurs. Ce, ce que nous avons voulu dans le cadre de ce Printemps des Poètes, c'est une poésie multiforme. Et le simple fait d'accueillir des artistes, des comédiens, des écrivains euh, aussi divers, aussi bien de par leurs origines que par leurs formes d'art, oui. euh, ça nous paraissait essentiel pour montrer que la poésie, comme vous le disiez en préambule, euh, n'est pas poussiéreuse et loin de là. Je crois au contraire, c'est une forme extrêmement moderne d'expression, euh, accessible aux plus jeunes aussi, et dans le cadre des... des des fonctions qui sont les miennes aujourd'hui politiques, euh, je considère que notre, un de nos premiers devoirs, c'est véritablement de nous adresser aux jeunes. Parce que la poésie, évidemment, euh, elle ne euh, s'inscrit pas que dans la littérature. On la retrouve dans la musique, on sure. la retrouve dans le cinéma, sure. euh, on la retrouve dans la vie en général euh, vie. aussi. Et euh, c'est vrai que c'est un, une base de travail, j'allais dire, la, la poésie. Une base oui, et puis c'est un, un regard sur le monde. ça. Et apporter aujourd'hui à nos jeunes un regard un peu différent sur le monde, c'est peut-être un peu sortir des clichés. Et ça ne peut être que bénéfique pour eux. Alors preuve en est que les jeunes sont plutôt très sensibles euh, oui. à cet art euh, de la poésie, à l'art poétique, c'est le concours que vous avez organisé. Oui. Euh, concours donc de poésie, hein, si on Comme chaque année, comme oui. Comme chaque année. Plus de 200 réponses, 200 oui. œuvres hein, que vous avez reçues et euh, dans lesquelles il va falloir choisir. C'est fait. Le jury s'est réuni. Nous avons cette année une présidente qui est Anne de La Flotte Médévi, qui est une, un écrivain récemment installé à Nice, depuis deux ans, dont j'avais fait la connaissance. Et, dont j'admire beaucoup le travail et qui, dans son écriture, a une forme poétique aussi, et ce qui nous a amené à lui demander d'être présidente du, du jury. Donc nous nous sommes réunis, nous avons choisi les œuvres et nous avons été amenés, finalement, à, compte tenu de la richesse de ce qui nous avait été envoyé, à décerner plus de prix que d'habitude. Ah voilà, c'est ça. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'évidemment, euh, donnez-nous le <coughs> thème déjà. Demain. Demain. Euh, donc évidemment, Ici, à Nice, après le 14 juillet, euh, ça a inspiré euh, oui. un certain nombre, un certain nombre d'œuvres et un certain mmh, nombre d'écrits. Oui, le thème a été choisi. Nous l'avons choisi euh, évidemment après le 14 juillet. Et comme je le disais, je crois que la poésie, c'est une ouverture, c'est des perspectives, c'est des horizons, et nous en avions bien besoin après le 14 juillet. Et Puis c'est un donc, exutoire bien. aussi, hein, il faut le dire. C'est ça. Euh, on, peut, un exutoire. Euh, on peut voir donc, les choses comme ça. Et parmi tout ce que nous avons reçu, nous avons eu beaucoup d'exutoires, euh, beaucoup de d'artistes, je pense qu'on peut les appeler comme ça, qui ont écrit et qui ont eu besoin de, de faire sortir leur souffrance. Donc nous avons un prix poésie euh, qui, euh, sur ce thème-là, sera remis. Et nous avons, euh, parmi ce que nous avons reçu, un, quelques, quelques œuvres, et dont une qui nous a marqué, qui nous ont offert une espèce de, de bouffée d'air. Alors on a choisi de décerner un prix oxygène pour la première fois, qui est un prix qui s'inscrit précisément dans la thématique de « Demain ». Mais qui par contre nous ouvre un peu de. nous donne une respiration, un peu d'air pour, pour l'avenir. Vous avez reçu des textes en niçois ou pas Ah oui, ça, c'était la première fois que nous faisions ça. On a reçu des textes en niçois. Euh, on a dû recevoir euh, oh, bien une vingtaine de textes en niçois sur le nombre. C'est quand même. Euh, ça fait énorme. 10, 10% oui. Ah, oui, oui. Pour une première année, c'est pas mal. C'est la preuve de la, la vivacité hein, de la Oui, niçoise. oui, oui. Le, le niçois est vigoureux. <laughs> euh, nous, Et vous le <laughs> savez Certes, j'en suis une preuve vivante. <laughs> euh, nous, allons, nous avons effectivement reçu une vingtaine d'œuvres en niçois et nous avons choisi donc un poème. Nous avons aussi, nous allons décerner un prix pour les jeunes, parce qu'on a eu beaucoup de jeunes, et ça se sent, ça, on, on le voit dans l'écriture. Un prix collectif, parce qu'on a eu des, des ensembles de jeunes ou d'enfants de, ou hospitalisés notamment qui nous ont envoyé des œuvres. Ouais. Et on va avoir donc plusieurs prix remis comme cela. Voilà, donc pour euh, ce printemps le des poètes, euh, 16, mars. 16 mars, donc euh, c'est dans, dans 8 jours, 16 mars, euh, la remise des prix euh, de ce, ce printemps des, des poètes version jeune. Et c'est important parce que, j'allais dire, c'est presque la cible numéro une, oui. même si tout le monde est, est concerné évidemment, et qu'il y a des conférences, et qu'il y a euh, des échanges, des, des rencontres avec, euh, avec les, les artistes qui s'adressent aussi aux, aux adultes, mais c'est clairement euh, aussi bon. l'objectif euh, d'inoculer le virus hein, euh, de, de la poésie que ce printemps des poètes. Un des objectifs qu'on dans le cadre notamment de, de l'action de la ville de Nice, euh, voulue par le maire et, et le président de la métropole, euh, à direction des jeunes, c'est lecture pour tous, théâtre pour tous, qui sont des actions par lesquelles nous emmenons des écrivains et des comédiens dans les écoles. Et bien là aussi, par ce forum de poésie qui s'adresse aux jeunes aussi, pas seulement bien sûr, mais aussi aux jeunes, on va vers eux et ça me paraît absolument fondamental. Parce que Olympia Alberti hein, est en ce moment euh, dans, oui, les, dans les absolument. établissements. Euh, 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 la peine de la présenter, non. Olympia, ici, mais euh, voilà pour y parler euh, poésie, lettres euh, et, et amour de la une littérature. Poète elle-même. Poète elle-même, évidemment, bien sûr. C'est pour ça que je disais que ce plus la peine de la présenter parce que c'est vrai qu'elle a une plume qui est, qui est, qui est vraiment exceptionnelle. Absolument. On se revoit bientôt, hein, Jean-Luc, puisque arrive le, le Festival du Livre, oui. le, le prix euh, B des Anges, euh, puisque certes. nous sommes tous les deux membres du, du jury. Donc on, on vous tiendra informé sur Azure TV. Puis en attendant, donc jusqu'au 19 mars, euh, le printemps des poètes, programmation à retrouver sur le site de la ville mais aussi sur le site du printemps des poètes vous cherchez euh, dans n'importe quel moteur de recherche printemps des poètes il suffit de chercher oui. par par région et vous trouvez tout ce qui ou, se passe bien sûr nice.fr nice, ou sur, sur nice.fr bien sûr euh, tout ce qui se passe à nice mais pas seulement merci beaucoup jean-luc d'être venu Nicolas. sur le plateau d'azur tv vous étiez notre invité du jour